OK, t'es prêt? Je pense que ça va commencer bientôt. Regardons la cravate, si tout est beau. C'est beau. C'est beau? OK. Ça roule. La sermentation de Canada, la nouvelle coqueluche du pays, prend les allures d'un événement historique. Suite à une pression populaire, celui avec qui le pays tout entier est tombé en amour est enfin reçu citoyen canadien. Never in the history of Canada has the welcoming of a new immigrant seized so much attention from the media, and as we can see here, done so with such overwhelmingly unanimous support. Mesdames et messieurs, au nom de Madame la gouverneure générale du Canada et du Premier ministre, je tiens à vous accueillir à cette cérémonie très spéciale. En effet, nous, Canadiens, Canadiennes, d'un océan à l'autre, voulons maintenant témoigner à Monsieur Canada toute notre admiration en lui octroyant aujourd'hui le droit et le privilège de devenir, certains diront enfin, citoyen de notre merveilleux pays, le Canada. J'invite maintenant Canada à venir prêter serment. Je jure que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Je suis submergé par l'émotion. Je voulais vous écrire un discours, mais je crois que je ne suis pas bon là-dedans. Je voulais également vous écrire un poème en alexandrin, mais je ne suis pas capable de mettre un pied devant l'autre. Alors je me suis dit, Canada, tu es bon dans quoi? Je crois que je suis bon pour écrire des chansons, chanter les chansons. Alors, j'ai composé pour vous une chanson originale qui décrit combien c'est beau notre pays et ce que nous sommes en tant que peuple canadien. Alors, je chante la chanson pour vous. Canada, par ici, s'il vous plaît. Est-ce vrai la rumeur selon laquelle vous préparez un duo avec Robert Charlebois? Lui, je l'aime comme un fou. On verra. Canada, Canada, maintenant que vous êtes citoyen canadien, quel est le premier projet que vous allez entreprendre? Eh bien, j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur. Ce serait de raconter ma vie. Mais je ne sais pas si les gens sont vraiment intéressés à ça. Ah ouais, ça vous intéresse? Oui! OK, OK. Je suis né en Inde dans un petit quartier cossu de la ville de Kuchaman. Une ville moderne où il fait bon vivre. Ma maison est située près de tous les services.
On est très chanceux, vous saviez. Je suis né par un beau matin d'hiver, sous l'œil attentif de Vishnu, notre cobra domestique. Je ressemblais au dieu Krishna, alors mes parents m'ont appelé « fils de Krishna », ce qui se traduit en langage hindi par « Kannada ». Kannada. Kannada. Aussi longtemps que je me souviens, le chemin de fer a toujours fait partie de ma vie. Et heureusement pour moi, ma maman connaissait les horaires de train par cœur. Vous saviez, on a appris très tôt les dangers du train. C'est mon grand-père qui s'est installé le premier ici avec sa famille. Comme il disait, méfiez-vous du train si vous ne voulez pas perdre un membre. Mais laissez-moi vous présenter ma famille. Vous connaissez déjà mon papa, ma maman. Elle est belle, n'est-ce pas? Voici Mango, mon grand frère. Ma petite sœur, Indira. Et ça, c'est moi. À l'âge de 10 ans. Le train était aussi notre gagne-pain. Nous profitions des arrêts pour vendre différentes marchandises aux passagers. Mais trop souvent, à notre grande déception, le train ne s'arrêtait pas. Dans ce temps-là, je savais qu'on en aurait pour 3 jours à manger des bananes. Dans mes souvenirs, un des événements marquants fut la découverte par mon père d'une caméra vidéo flambant neuve près du rail. Après quelques vaines tentatives, papa a appris comment fonctionnait l'appareil. Ce fut la naissance d'une véritable passion pour lui. Mon père s'amusait aussi à faire des trucages avec sa caméra. Et nous étions ses sujets préférés. Quand il n'était pas lui-même le sujet de ses expérimentations. Le petit film que papa a fait de moi avec Vishnu, mon cobra, figure parmi mes plus beaux souvenirs. Ah, Vishnu, qu'est-ce qu'on rigolait ensemble? C'est vers l'âge de 10 ans que j'ai commencé à dire des choses étranges. Mes parents étaient désespérés. À l'époque, personne n'avait fait le lien que toutes ces manifestations étaient associées au Kannada. Mais un jour, alors que je me promenais dans les rues de Kuchaman, j'ai eu une révélation qui allait faire basculer ma vie. C'est alors que j'apprends que ça existe, que c'est un pays, que ça s'appelle Kannada,
comme moi, c'était un signe. À partir de ce moment, j'ai décidé de ne plus jamais quitter mon costume de police montée de toute ma vie. Oui, les gens me regardaient étrangement, mais je m'en foutais. Je me sentais bien. Dorénavant, j'allais me dédier complètement à ma nouvelle passion, le Canada. J'étais de plus en plus obsédé par ce pays. Je voulais tout connaître d'un océan à l'autre. Mon frère Mango, lui, avait des préoccupations bien de son âge. Un jour, mon professeur est venu rencontrer mes parents à la maison. सर ये कल भी वहाँ बोल के नहीं ले गए थे तब इनको बच्चों ने इनको पीटा अब देखिए आप देखिए वो अभी भी कनाडा कनाडा करता है अभी देखिए देखिए C'est à cette époque que les premières trans ont eu lieu pendant lesquelles j'écrivais des choses incompréhensibles. Des mots, des phrases, des sons sortaient de ma tête et les années passaient sans aucune amélioration. Les autres membres de ma famille avaient cessé complètement de s'intéresser à moi. Seule maman s'inquiétait pour son fils. कर सकूं अच्छा इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कनाडा का क्या कर सकती हूं बोलते मैं बोलते रहे जिस दिन बिगाई बात नमस्ते मामा नमस्ते पापा अच्छा इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है थोड़ा ही खर्चा है इसमें ज्यादा नहीं J'étais complètement découragée. Tout le monde le pointait du doigt. Même son frère était plus capable de le sentir. On dirait qu'il était possédé. Il passait ses nuits à écrire je ne sais pas quoi. Bon, il n'y a jamais eu de problème avec Canada. Mais vous connaissez les femmes, elles ont tendance à s'en faire pour rien. Ça fait que pour faire plaisir à madame, j'ai suggéré à Canada d'aller voir un ami d'enfance qui est devenu gourou et qui pourrait traiter ce genre de problème. Hé! Hey, c'est-tu la nouvelle caméra HD qui vient de sortir, ça? Wow! Papa, une bombe de seconde. Pour le bien de tout le monde, j'ai accepté d'aller voir notre gourou de famille afin de comprendre ce qui m'arrivait et surtout de trouver une façon de me guérir. Thank you.
J'ai marché, marché, marché. Et puis soudain... Il m'a donné l'école. Il m'a donné le goût. Il m'a donné l'école. Il m'a donné l'esquidou. Il m'a donné mon nom, papa. Il m'a donné la tête de l'école. Il m'a donné maman. Il m'a donné le francine de l'école. Il m'a Puis c'est d'être heureux. 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 C'est Alors j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai dessiné la première chose qui me passait par la tête. Et j'ai transporté mon fardeau partout dans la ville. Tabarnak. Le mot est sorti tout seul. Manifestement, je n'étais pas guéri. J'étais découragé. समझ गए हैं तुम्हारी परेशानी क्या है 5 साल तक हाथ ऐसे ही ऊंचे रखना हैं 5 साल तक जब सब कार्य अच्छा हो जाएगा पूर्ण होगा हिंदू तो बंद रहने देंगे ऊपर वाले को सदा याद रखना पूर्ण होगा ऊपर वाले को सदा याद रखना उन्होंने गुरु ये हो आनंद की बरसात है Dans mon empressement à lever le bras, j'ai oublié que j'étais droitier. Mon frère, tanné de l'attention que maman me portait, a voulu montrer qu'il était capable lui aussi de faire quelque chose de sa vie. Il a donc fait le vœu de rester debout pendant 5 ans. Parfois, je trouvais ça inconfortable de garder le bras dans les airs. Mais je pense que c'était pire pour Mango. Subratri, Mango. Subratri, Canada. Hey. 5 ans. 5 années de bras dans les airs. Le nombre de fois où j'ai appelé un taxi sans le vouloir. Devenait compliqué, surtout mon service militaire. Saviez-vous que 5 ans, c'est 43 800 heures? C'est beaucoup.
Pour Mango, ça faisait aussi 2 628 000 minutes qu'il était debout. Les années passaient et mon fardeau devenait de plus en plus lourd à porter. Et puis, un beau jour, ça a fait 5 ans. Mais lorsque ça fait 5 ans qu'on a le bras dans les airs et qu'on essaie de le baisser, ça fait mal là où ça fait mal. Flexoflex! Flexoflex. On ne savait pas ce que ça voulait dire, mais on savait que je n'étais pas guéri. Mon frère était furieux. C'est à ce moment qu'il a fait le vœu de rester couché le restant de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents étaient anéantis. 5 ans pour rien. J'avais besoin d'une aide psychologique. Hello? 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 ठीक है अभी हम आ रहे हैं बहुत टाइम बाकी है ठीक है पहुंच जाएंगे अब हमारे पास टाइम नहीं आगे भी बहुत कुछ काम करना है Le gourou avait raison sur un point. Je suis un Canadien né dans le corps d'un Indien. Vous savez, la nature peut prendre aussi des détours curieux pour produire des entre-deux. On connaît la transsexualité, où les chromosomes disent homme, mais le corps dit femme, et vice-versa. Mais il existe aussi la réversion culturelle, qui est un phénomène purement génétique. Il s'agit d'un individu de culture X qui est né dans le corps d'un autre individu de culture différente. Le plus célèbre des cas étant un Camerounais né dans le corps d'un Inuit. C'était l'homme le plus frileux de son village. Il fait vraiment froid ici. Parfois, on observe des ambiguïtés plus visibles. Une personne aura un faciès caucasien et un corps négroïde. Ou encore une tête normale sur un corps de pygmée. Au moins, je n'avais pas un corps de pygmée. OK, je suis un Canadien dans un corps d'Indien, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Je suis pris avec ça. Je vis depuis que je suis tout petit en Inde avec un fond de Canadien. Imaginez, à l'époque, je ne savais pas que mes traces, c'était des paroles de chansons, de la musique. Je ne savais même pas que je parlais français. Excuse me, sir, do you speak English? Habla espagnol? Non. Parlez français? 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 Oui, français. Français? Je parle français. Un beau jour, tout s'est mis en place. Avec mes amis saltimbanques, on faisait des petits spectacles dans la rue pour gagner quelques sous. Mon ami Vigi me demande alors de tenir sa sitar, le temps d'aller faire un petit pipi. En prenant l'instrument, j'ai ressenti une grande force. C'est alors que le miracle se produit. J'ai tout compris. Les trans, c'était des chansons. Je suis fatigué de te voir, fatigué d'entendre tout le monde me dire de comment respirer. Les notes venaient toutes seules, les mots, la musique, tout s'enchaînait dans une parfaite harmonie. Mes amis étaient subjugués. Les gens arrivaient de partout et tapaient des miens. Juste une fois pour t'avouer. Ah ouais, y'a belle, ma belle, je t'amène à n'importe où. Oh, et puis je la bois, qu'elle est avec les loups. Je ne jamais t'entendre dire jamais. Viens d'en faire la cour. On va vers la foule, on va vers l'amour.
Mon premier succès. Qu'est-ce que ça veut dire, on voit que ma belle? Peu importe. C'est bon? Ça sonne bien? Je me sentais comme un rockstar. Quand j'ai entendu Embarque ma belle dans la bouche de Canada, c'est comme la première fois que je l'ai entendu à la radio par Cain. Je pensais que c'était un cover ou une ressemblance ou une influence. Des fois, on écoute de la musique, il y a des ressemblances entre deux chansons, tout ça. Et puis, mais là, à ce point-là, une ressemblance aussi frappante entre les deux tunes, c'était comme inconcevable pour moi qu'il y ait une connexion qui puisse s'établir mélodiquement parlant, musicalement parlant, jusqu'au thème musical de la chanson. Ça m'a jeté sur le cul, complètement. Ce qui est intéressant dans le cas de Canada, et ça s'est vu à plusieurs occasions, ce type de phénomène, de synchronicité, c'est le terme qu'on utilise maintenant. L'idée a été avancée pour la toute première fois par le chercheur Rupelt Sheldrake, qui a émis l'hypothèse de champ morphologique. Il a d'abord parlé, pensé à placer des singes sur une île très isolés, et sur une autre île, d'autres singes ont commencé à imiter ou à produire les mêmes gestes que le premier groupe témoin de singes. Alors, ça donne à penser qu'il pourrait exister autour de la Terre une espèce d'enveloppe dans laquelle, dès quelqu'un pense quelque chose, il émet cette idée qui pourrait, à son tour, être captée par un autre cerveau ailleurs. Et c'est là qu'on assiste à un phénomène de synchronicité où deux personnes qui ne se connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève, peuvent alors produire exactement le même résultat dans le même temps, alors qu'il n'y a pas eu de communication entre ces deux individus. Oui, c'est une chanson que j'ai écrite, composée, mais regarde, ça nous amène à nous poser d'autres questions aussi. Si deux êtres aussi séparément, loin, peuvent écrire une même chanson, qu'est-ce qui nous attend après? T'sais? Qui peut connecter avec qui? Je veux dire, ça amène un infini de questions, puis tout est relatif à partir de là. Donc. Les gens de Kuchaman ont commencé à parler de moi. Très rapidement, je suis devenu la coqueluche de la ville. Mike? Du jour au lendemain, mes notes et griffonnages se sont transformés en un répertoire de plusieurs chansons qu'un producteur s'est empressé d'enregistrer en studio. J'avais tout, mais lancé la promesse, la rigide et la souplesse. J'avais tout, la lâche et la sagesse, ton sourire et puis les fesses. Peu à peu, le petit gars de Kuchaman devenait plus confiant, avec toutefois encore quelques doutes. La partie de la chanson, le sourire et puis les fesses, est-ce que c'est trop élevé, exagéré? Et là, le tour du doigt. La première chanson que j'ai écrite et enregistrée rend hommage aux gens de Kuchaman, qui ont été les premiers à m'applaudir, et ils étaient nombreux, car vous savez qu'en Inde, il y a du monde, hein? Il y a du monde aujourd'hui sur le plateau. T'as me voir, mais il faut pas que je t'aime trop. Il y a du monde pour qui c'est des gros faciles. T'as mon corps, mais je suis seul, c'est mon deal. Pour question, pour te dire que t'es en retard. J'aime pas longtemps. J'en ai plein le dos. Je me baisse mes mots. Je baisse mes mots. Y'a le monde d'arriver, va me rappeler.
des importants à seul celle-là. Pas question pour te dire que c'est en retard. Cette année, il fait chaud, j'en ai plein le dos. Fait la pluie, mauvais temps, j'ai pas content. Je t'aime mieux autant. Même si les gens ne comprenaient pas les paroles, ils adoraient. Sans le savoir, j'étais connecté avec ce que j'appelle mes âmes sœurs. La première fois que j'ai entendu parler de Canada, c'est un de mes amis qui a d'ailleurs fait le tour du monde. Il a atterri en Inde, puis il était un mois et demi là. Vers la fin de son séjour, il entend une chanson, puis il m'envoie un email comme quoi ça ressemble vraiment à ma chanson. En fait, c'est ma chanson, il y a du monde ici. Bon, le milieu québécois, c'est très petit, puis tout le monde se connaît. On s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls dans la même situation. On a vraiment paniqué. Écoute, c'est notre toune, ça, là. C'est moi qui l'ai fait. C'est mes accords. J'appelle François, c'est engagé comme d'habitude, tout le temps engagé. J'appelle Alain, finalement, je le rejoins. Je dis, Alain, t'as pas besoin d'argent, me semble. J'ai dit, c'est-tu toi qui aurais fait quelque chose? T'as-tu vendu ça? Là, on est sur le bord d'entreprendre des mesures légales pour tout ce qui est droit d'auteur, etc. Mais là, je parle avec François, mon cellulaire sonne. Là, c'est Alain. Mais là, je dis, François, attends une seconde. J'ai dit, Alain, qui est en train de paniquer. Là, je le mets sur un rond parce que j'ai une autre ligne en même temps. Et on s'aperçoit que Canada est vraiment à son affaire. En fait, la toune a été déposée comme 2 mois avant Il y a du monde ici au Québec. C'était François qui était sur l'autre. Là, les deux se parlaient, mais j'étais sur haut. Moi, je parlais aux deux en même temps, mais j'étais sur le haut. Bon, on parle de plagiat ou on parle de hasard. J'ai aucune idée. Je veux dire... bon, de parler de plagiat, c'est peut-être moi qui est dans l'eau chaude. Là, finalement, François, il revient, il dit... Bon, il dit, Pat, il dit, je viens de parler avec Alain, il dit... là, en même temps, l'autre ligne, c'est François. Alors, Danny Bédard, Ariane Moffat ou Patrick Bourgeois peuvent effectivement avoir l'impression que la création qu'ils viennent de pondre sur une page vient d'eux, et que c'est bel et bien eux et eux seuls qui ont produit cela, alors que c'est Canada qui, lui, à distance, pense en même temps à créer une pièce musicale, et c'est eux, à ce moment-là, qui deviennent les récepteurs ici au Québec. Ben oui, c'est moi qui l'ai écrit, la toune. Ben oui, c'est moi qui l'ai écrit, la toune. Je me souviens, dans mon contexte, dans mon studio à maison, il faisait beau, ça fondait dehors. Je veux dire, j'écris Il y a du monde sur le plateau parce que j'habitais sur le plateau. Puis c'est moi qui ai écrit cette chanson-là. Là. Je veux dire, je sais pas où est-ce que tu veux t'en aller là-dedans, là, mais... Il y a une autre ligne encore, parce que là, c'est parce qu'il y a deux éditeurs. Fait que là, l'autre éditeur qui panique, là, j'ai dit, attends un petit peu, je reviens tout de suite. Là, je parle encore avec François. Les étoiles étaient alignées pour qu'on se rencontre, pour à la limite qu'on compose cette même chanson-là ensemble. Je trouve ça... Avec un recul, je trouve ça merveilleux. Fait que là, on a, bon, là, j'ai François qui panique un petit peu. Là, finalement, j'ai réussi à le calmer. T'as Alain qui est toujours calme, c'est pas si pire. Les deux éditeurs, finalement, on en vient à la conclusion que c'était pas de notre faute. Quand je ferme les yeux, je me sens un peu mieux, sincèrement malheureux. Aujourd'hui, je réalise l'ampleur de mes bêtises. Depuis, elle m'empêche. Je vois combien je t'aime. Comprendre, j'étais écrit dans le ciel,
que je brûlerai mes sel. Je marcherai sur l'eau, voilà comme l'oiseau. Je parlerai au yonge pour que tout s'arrange. Toi et moi. Quelques mois, je suis devenu une vedette partout en Inde. Mes spectacles se vendaient à guichets fermés et les scalpers faisaient des affaires d'or avec la vente de mes billets. J'avais de plus en plus de succès. J'étais courtisé par les femmes, invité aux grandes premières. J'avais même une table réservée dans les meilleurs restaurants de la capitale. J'avais des transes n'importe où et de plus en plus profondes. Mais elles m'ont permis de pondre de belles chansons dont certaines étaient très populaires dans les bars à karaoké du pays. Vanakkam, vanakkam ellarkkum. Indikku naan enakku pidicha indha paatta paada poren. Please thavai senju paatta podunga. La belle sirkane with your capo passe ma tante toute la bombe à grise de chienne. J'étais devenu riche, mais j'avais toujours en moi la fibre canadienne. Je suis aussi devenu porte-parole des véhicules Toto. On m'a même demandé d'en écrire les concepts originaux. Orten, Borten, Quintrell. Ernie Milancello. Mon inspiration était sans limite. J'ai même conçu et animé des télé-réalités. Conce, le calima. Elle est une perrotte col. Quando sono di d'altri un calimar. J'ai aussi imaginé et écrit des séries télé comme Les figues de Caleb. Mon père, qui n'a jamais cessé de s'améliorer dans le maniement de la caméra, est devenu un excellent directeur photo très populaire à Bollywood. Il a d'ailleurs travaillé sur quelques-unes de mes productions les plus populaires que j'ai écrites et réalisées. C'est Canada qui m'a vu le premier comme un acteur dramatique. Avant, je faisais de la merde comique de Bollywood. Le comique, c'est pas de l'art. Malgré le succès de mes films, je n'oubliais pas la chanson pour autant. Pas besoin de frapper pour entrer chez moi.
je devenais arrogant. Et je l'exprimais haut et fort. J'avais tout ce qu'un homme désire. L'argent, les femmes, la gloire. Tout allait bien, trop bien, trop vite. Jusqu'au jour fatidique où j'ai commis l'erreur de participer à l'émission de Galesh Pepperman Show, le talk show le plus populaire en Inde. आपके बीरजाल बर्तन स्टूडियो हतले अनंत सिंह बिग एक्टर बर्तन बॉलीवुड है ये दिल्ली है शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीप पर तले एक्टर कनाडा है मूवी बर्ता हल्तम दून नार बने चिंगला रे बर्तन ना बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ बुलाया है हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके जी तले बर्ता कनाडा बहुत का हाल तेजी रहने स्क्रीन हाल है बढ़ता नहीं लें। Je veux pas laisser me faire attraper. Le pire, je vais le remplir. De bon ou de mauvais, sans dormir. Le vide, je vais le remplir. Et avant que mon homme s'assèche, j'ai que j'ai craint. अच्छा है अनंत सिंह है कनाडा मूवी बहुत बड़े तले हंटर कनाडा एक्टर बहुत के मिस्टर कनाडा शुक्रिया जी शुक्रिया बहुत अजन अनंत सिंह बहुत स्कूल से अनंत सिंह अंडे अपन तने गण अनंत सिंह अंडे अपन बिरादर जैसे तो लोग तो जी हांजी जी डायरेक्टर बनला बे दो थोय दो थोय बहुत के जी अर्थ हाल दी ऑडियंस टेली ऑडियंस बतर हम हरत द फ्रेंच लैंग्वेज मूवी हरत कनाडा हरती टेपिंग बहुत द सॉन्ग बहुत थे सी मेरी नला Dare baby, that's a fit. And I put it to pitch, and it's a trail, the remonde, pitch it, and a forbidden, making shwek roll it, bit on the ground, the war water, Europe, Benedict, the rest of the song, Quantong. The rest of the song, the last brute detective. Harda ji, Harda, Harda, hi, good brother. हल्ट प्रेजेंटेशन अपने फिल्म है डॉट क्लिप फुटेज जाना ये नरेंद्री सीरीज कालीमार तेले तोई तोई ले पाकापा डेचिरे मा वाश बंदा ही हल्ट पाकापा ब्लेने टिरे बाचे ले मर धारा दो मने इफ्ते जे क्रोये फेर प्लेजर ओ टेलेस्पेक्टेटर en leur offrant en exclusivité la chanson titre de mon nouvel album Les temps pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Comme d'habitude, ça a marché instantanément. Pas capable de tirer ma vache. Prenez son dos, puis je te double la vase. Les deux yeux bouchés à deux. Et bon, y'a encore la chance. Tout allait bien, jusqu'à ce que je fasse l'erreur. De traduire un couplet en langue hindi. Quand les gens ont compris les paroles, je vous dis pas le scandale. J'avais oublié que la vache est vraiment sacrée en Inde. Ce soir-là, j'ai fait la manchette de tous les bulletins de nouvelles du pays, mais pas pour les bonnes raisons. Grosse
scandale dans le monde du spectacle, l'artiste de la chanson et du cinéma Canada, qui participait à un très populaire talk show, a créé tout un émoi hier soir en insultant les vaches sacrées. Dans tout le pays, les gens ont réagi avec violence pour dénoncer l'attitude honteuse de Canada et se sont mis à brûler tout ce qui est à l'effigie du chanteur. Des manifestations ont éclaté dans le nord et l'ouest du pays et on dénombre même quelques blessés. Partout, on réclame son extradition. Si Canada ne respecte pas les vaches sacrées, il ne respecte pas l'Inde, alors qu'il sacre son camp. Qu'il quitte le pays, c'est tout. Les politiciens dénoncent les propos de l'artiste. Les vaches, c'est pas juste fait pour être très, c'est fait pour être respecté. Depuis hier, on ne cesse de repasser en boucle les propos scandaleux, ce qui attise la colère de la population. J'étais devenu un paria, la honte du pays. Tout le monde me détestait. Restez à l'antenne pour d'autres nouvelles. Du jour au lendemain, j'étais passé de héros à zéro et j'étais la honte de mon pays. Vous savez, quand 1 milliard de personnes vous haïssent, on se sent mal à l'aise et j'ai tout perdu. Fini la vie mondaine et les meilleurs restaurants. Les taxis ne voulaient même plus me prendre. Papa aussi a perdu son emploi. J'ai demandé de l'aide au gourou, mais il n'était pas très réceptif. Papa, Canada. Je n'avais plus le choix. Je devais partir, quitter le pays. Même si ça impliquait de quitter ma famille. Mais au fond de moi, une voix me disait de suivre mon destin. Si j'étais un Canadien dans un corps hindou, alors aussi bien d'être un Canadien dans un corps de Canadien au Canada. En tout cas, je me comprends. J'ai atterri à Montréal par un beau matin de février. Une étrange impression d'être chez moi et ailleurs en même temps. C'était pas tout à fait comme je l'avais imaginé, mais peu importe, c'était magnifique. J'étais très excité et je devais partager ma joie avec ma maman. Hello? Hello, maman. Comment ça va? Canada, ma petite pédale, ça va? C'est dans mes nerfs, de Remember the innocent mama incident, papa. Canada, how is it? Good, how is it, sir? Thick, thick. I'm innocent, bro. I'm mango. Good, it's going well. How is it, kid? Thick, thick. But
Comme il fait vraiment froid ici, je suis allé m'acheter plein de vêtements dans un magasin qui s'appelle le Village des Valeurs. Wow! Le Canadien! C'est encore plus flyé que dans mes rêves les plus fous. Après avoir fait un tour de ville, il ne me restait plus qu'à aller chercher ma citoyenneté canadienne, le passeport, ces choses-là. Je viens chercher ma citoyenneté canadienne, le passeport, ces choses-là. Oh, un instant. Ça ne se fait pas comme ça, hein? Il y a des règles, des étapes. Bon, regardez. D'ailleurs, moi-même, je suis passé par tout ça il n'y a pas tellement longtemps. Ah ouais? Je ne vois pas pourquoi ce serait plus simple pour vous, hein? Votre nom? Mon nom, c'est Singh. Et mon prénom, c'est Canada, comme notre beau pays. Wow. Pas encore, hein? Pas encore. Ce n'est pas encore notre beau pays. OK. Hmm? Votre lieu de naissance? Je suis né aux Indes, dans un quartier cossu d'une ville qui se nomme Kuchaman. Une ville moderne où il fait bon vivre. Ma maison est située près de tous les services. Je ne suis pas ici pour vous entendre me raconter votre vie. Hein? De toute façon, le processus est simple. Vous devez en apprendre le plus possible sur le Canada. Vous devez passer un examen. Hein? Et puis après, on verra si vous êtes accepté ou non. Oh, je suis une vedette de la chanson, alors je vais sûrement être accepté sur le champ. Sur le champ. J'ai accepté sur le champ. Vous avez 3 mois à partir d'aujourd'hui pour réussir votre examen. Sinon? Sinon, vous êtes expulsé. Et je peux le passer n'importe quand? Oui. Quand je veux? Peut-être qu'on a été un petit peu trop vite en affaire, hein? Échoué. Bon, prenez ça. Il faut étudier avant. Dans ces 2 documents-là, vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour passer l'examen. Hein? Bienvenue au Canada, les règles du Canada. Il faut étudier. C'est génial. Il y avait même un mode d'emploi. Alors j'ai loué un luxueux appartement situé près d'une voie ferrée. Étudier. Le Nunavut a 28 000 habitants. Le territoire du Nord-Ouest 41 000. Le Yukon détient le record de la température la plus froide jamais enregistrée, -63. Quels sont les 3 principaux groupes d'Autochtones? Quelles sont les 15 façons de dire le mot neige en Inuktitut? Quelles sont les couleurs du drapeau canadien? Et rouge et blanc? Le Manitoba, la Saskatchewan, Saskatchewan, Manitoba, Saskatchewan, le bouclier canadien, l'Assemblée nationale, les chutes Niagara, les provinces, les capitales. Au Québec, on ajoute le tu après les questions. Exemple, tiens, veux-tu? Comment dit-on en langage québécois? Beaucoup. Ou en grande quantité. J'en ai un chat. La Saskatchewan. Comment dit-on? Je suis d'accord. C'est Tigayou.
911, vous pouvez composer le numéro d'appel d'urgence locale pour obtenir de l'aide. Dans bien des villes canadiennes, ce numéro est le 911. Ouais, c'est génial! 911, quel est le problème? Ça fonctionne! Vous me demandez à moi si j'ai un problème, c'est ça? Oui, monsieur. Expliquez-moi exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je n'en reviens pas que vous me demandez ça. Merci d'être là. Si moi, j'ai un problème. Et en plus, 911, vous y avez pensé. C'est facile à retenir. Merci. J'étais vraiment heureux et j'avais envie de partager mes découvertes avec ma famille. J'ai donc décidé de poster un petit cadeau à maman. Puis, pour améliorer ma prononciation de certains mots, j'ai fait appel à un expert. Colombie-Britannique, l'Alberta. Alberta. L'Alberta, la Saskatchewan. Saskatchewan. Oh non, la Saskatchewan. La Saskatchewan. Saska. Eska. Saskatchewan. 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 La Sas. La chasse. Ouvrez le pharynx. La Saska. La chasse. À... La Saska. La Saska. Cho. Cho. La Saskatchewan. La Saskatchewan. Le magasinage du Canada sont probablement un peu différents de ceux que vous avez vus dans d'autres pays. Ah ouais, c'est différent. Bonjour. Bonjour. Combien ça coûte? 1,40. OK. Je pourrais vous offrir 85 cents. C'est 1,40. OK. 90. C'est 1,40. Vous êtes dur en affaires, hein? OK. Je vais faire une offre à vous. 1 $ rond. Tabarnak, t'es sous, c'est 1,40. Bon, dans ce cas, je vais partir. Hein? Je suis en train de partir en ce moment. C'est ça, des crises. Écoutez, 1,20, mon dernier mot. Mes économies fondaient comme de la neige au soleil. Heureusement, j'ai réussi à me dénicher un emploi au service à la clientèle d'une grosse compagnie. Bonjour, ici Canada. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que ça fait 2 heures que je niaise en attente, puis en plus, je m'envoie en Inde. Chris, ça peut bien être long. Monsieur, vous êtes au Canada en ce moment. Mon nom est Canada. Comment puis-je vous aider? Regarde, le gros, tu parles d'appeler à Canada, ça va te donner un accent plus local, hein? En fait, je suis né en Inde, dans un petit quartier au sud d'un village qui se nomme Kuchaman. Une ville moderne où il fait bon vivre. Ma maison est située... Hey! Raconte-moi pas ta vie, moi, un hostie de restant de marde. La convention, là, c'est que c'est moi qui est supposé de te raconter mon histoire. Je vais juste prendre votre dossier, monsieur. Hey! Y a-t-il un service à la clientèle ici? Où est-ce que je pourrais me plaindre du service à la clientèle? Oh, j'ai pas le dossier, monsieur. Ah ben, t'as... Regarde ça, c'est le fun, ça le fait faire. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un a fait une plainte et j'ai perdu mon emploi. Pendant ce temps, ma mère recevait finalement les balles de neige que je lui avais envoyées par la poste. Après avoir étudié jour et nuit, je me sentais enfin prêt à passer mon examen. Et puis? Je vais vous donner une belle étampe. Est-ce qu'on dit monsieur ou madame Canada? Oh, monsieur! Vous avez coché madame. Les choses n'allaient vraiment pas comme prévu, vous savez. J'étais découragé, mais en même temps, je sentais que
Le Canada, c'était ma place. C'était mon pays. Je sais, je ne suis pas une grande vedette comme en Inde, mais je sentais que je devais repartir à zéro. Et comme j'ai écrit dans une de mes chansons, je devais tourner la page. Je me suis dit, Canada, dans quoi t'es bon? Je suis bon dans la chanson, alors je me suis booké un spectacle. Bonjour, monsieur. Vous êtes le propriétaire de la salle de spectacle. Oui, c'est ce que j'appelle à la place des arts. Je représente les intérêts de monsieur Canada Singh. Allô? 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 Vous mettez mon numéro à moi? Sur une liste d'interdiction de sollicitation. Oui, c'est un honneur pour moi, ça. À quel moment voulez-vous le spectacle? Quand? Quand les poules auront des dents? Magnifique! Si je suis disponible pour un coup de pied dans le cul? À l'instant, je regarde dans l'agenda. 9-1-1? Oui, 9-1-1. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire, quand les poules auront des dents? Ah oui? Vous avez une cancellation et vous me demandez les services à moi? Oui. Oui, ça me fait plaisir d'être là parmi vous pour ce spectacle. Merci encore de m'engager. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un trac aussi fort. Alors, showtime.
J'aimerais commencer par une chanson que j'ai composée. Et c'est une chanson qui est très importante dans ma vie. Alors voici pour vous une chanson qui s'intitule « Pas capable de tirer ma vache ». Je vais mettre la cassette. J'ai décidé d'offrir à ce public averti ma chanson « Pas capable de tirer ma vache ». Mais je n'ai pas fait deux fois la même erreur. Je l'ai chantée uniquement en français, pas un mot en hindi. L'étape pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Mais le spectacle du Canada, je l'ai trouvé quand même amusant parce qu'on a manqué notre cours d'anglais puis j'aime pas trop ça. Les musiques étaient bonnes, comme la première était bonne. Hey, Canada est là! Il est ici, là, à mon école. C'est une grande vedette en Inde, tout le monde le connaît. Quand je vais dire ça à ma mère, elle va capoter, là! J'aimerais vous raconter mon histoire. Je suis né en Inde, dans un petit quartier cossu d'une ville qui se nomme Kuchaman. Une ville moderne où il fait bon vivre. Ma maison... On peut pas l'entendre dans l'histoire! OK. Le public était en délire. Ça faisait du bien de renouer avec le succès. Comme les gens appréciaient mes chansons, je leur ai offert un rappel. Par contre, quand il s'est mis à chanter la chanson de la grenouille, je me sentais mal à l'aise. Mal à l'aise parce que c'était... Il y avait beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire des brassadas avec les poils des fesses? C'est à cause que Canada, il a dit ça tantôt, puis... Je devais réussir mon examen, sinon c'était l'expulsion. Au Canada, les billets de 5 $, 10 $, mais pas les billets de 15 $. Ah bien, la masque, la Saskatchewan, de nombreux emplois sont affichés sur les babillards, sur les ordinateurs. Il n'est pas assez proche, celui-là. Que veut dire l'acronyme PET? 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 PET, 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 PET. Acronyme PET? PET? PET, 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 acronyme PET. L'examen, c'est demain. Je dois connaître l'acronyme PET. Qu'est-ce que ça veut dire, PET? L'acronyme PET? L'acronyme PET. P-E-T, PET. PET. Est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce que ça veut dire, l'acronyme PET? Oui, que veut dire PET? Pardon? J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme PET. Monsieur, êtes-vous en danger? Êtes-vous menacé d'une quelconque façon? Oui, je suis en danger d'extradition. Je dois savoir qu'est-ce que ça veut dire PET. Bon, écoutez, c'est pas une raison pour appeler le 911. Avez-vous un problème de santé? Oui, ça me rend malade. Je dois trouver pour demain qu'est-ce que ça veut dire PET. Allô? Allô? Que veut dire l'acronyme PET? Je n'arrive pas à lire votre réponse. Pedestin. Quoi? Pedestin? Hein? Pedestin. Pierre Elliott Trudeau. Ça ne vous dit rien? Hein?
elle était tough, celle-là, hein? Bon, eh bien, c'est ça qui est ça. Vous êtes refusé. Meilleure chance la prochaine fois. Vous reviendrez demain et je vous expliquerai les procédures d'extradition. Suivant. Tant d'efforts, de sacrifices pour en arriver là. C'était terminé. Paria en aide, indésirable au Canada. Je ne savais plus qui j'étais. Où aller? Je revoyais dans ma tête le petit gars avec un costume bizarre qui faisait rire de lui. Adieu. Adieu. Adieu, monsieur. Quoi faire? Quitter le Canada et mettre fin à mes rêves? Retourner en Inde dans la honte? Jamais. Je me suis dit... Non! Je suis Canadien. Je suis ici chez moi. Ils ne m'attraperont pas. Je quitte Montréal et je vais me cacher dans un trou perdu où ils ne me retrouveront jamais. Je me suis ramassé à Québec en plein carnaval. C'est alors que je l'ai vu, mon toto, ma peluche. Bolhomme? Mon bolhomme. Bolhomme! 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 Encore une fois, bolhomme! Bolhomme! Je dis qu'on va me dire mon état, bolhomme. Quel j'étais jeune! Tout le monde riait de moi, vous savez, madame. Tout le monde m'empêchait de mettre mon costume de police montée. Mon esti costume de police montée! Et quel chien, gourou! Quand je suis en Inde, le monde disait, « Oh, on sait bien, toi, t'es Canadien. » Quand je suis au Canada, le monde dit, « Non, c'est bien, toi, t'es un hindou. » Tabarnak! En Inde, je suis un grand vedette, vous comprenez? Je suis un chanteur international, mais personne ne veut de moi, vous comprenez? Même le bonhomme carnaval, il veut rien savoir de moi. Comme ça, vous venez des Indes? Oui, je viens d'un petit quartier cossu d'une ville qui se nomme Kuchaman. Une ville où les vaches sont sympathiques et savent vivre. Allez! Wow! J'ai pas le temps d'écouter ton histoire, moi. Ça me surprend pas. Il y a pas de place à terre pour les Canadiens du monde entier. Tu veux chanter? Je connais une bonne place. C'est là que les plus grands chanteurs du Québec ont commencé. Ah ouais? Mm-hmm. La fille du bar m'avait donné une bonne adresse et le nom d'un excellent gérant d'artiste. Je pense qu'elle avait un kick sur moi. Tu? Non. Oui, ça a l'air bien intéressant, ce que tu fais. Mettons que ça ajoutait une touche d'exotisme. Mais le problème, c'est que j'ai déjà une vedette ici, moi. Oui, mais comme j'ai déjà écrit une chanson, donnez-moi au moins ma chance. Ta chance. OK, je vais te donner ta chance. Tu vas faire le premier parti de ma vedette.
Ah oui. Norman, viens ici. J'ai quelqu'un à présenter. Norman Lamour, ça, c'est Canada. Canada, ça, c'est Norman Lamour. C'est Canada qui va faire la première partie ce soir. Je l'ai détesté instantanément. Ça sert à rien, juste à le voir, là, juste à le voir, là, je le digérerai pas partout. Qu'est-ce que tu veux? Merci, merci. OK, je vais quand même t'essayer droit à soir. Mais il y a juste une petite job qui vient avec le contrat. OK. Ça, c'est BBB. Un troupeau de 50 vaches laitières, pure race. Une fierté, l'orgueil de Drummondville. Une merveille, la génétique. Je les insémine moi-même. Insémination artificielle, on s'entend? On s'entend, oui. Bien, ouais. Oui, j'ai besoin d'aide, tu sais. L'entretien. Il faut faire le train. Le train? Ramasser la marde. Tu connais ça, le train? Le train? Oui, ramasser la marde. Ça, c'est mes bébés, ça. Ah oui, continue. Faut que tu prends soin des vaches chaque jour. Avec cœur, fais attention. Mais qu'est-ce que t'as? T'as peur des vaches? Un peu, oui. Mais comment ça, vous avez peur? Ça, c'est un long espoir. Ah oui? En Inde, vous avez pas eu des vaches? Oui, on a beaucoup de vaches. Oui? Celle-là, c'est ma préférée. Ça, c'est Boogie Woogie. Hey, Boogie Woogie, ça, c'est Canada. Canada, c'est Boogie Woogie. Boogie Boogie? Celle-là, faut la traire en main. Chaque jour. Moi, je suis pas capable de tirer ta vache. C'est facile. Tu prends un divan pour tirer ma vache. Le boss a tenu parole. Et j'ai fait la première partie de Monsieur Normand Lamour. Bonsoir, tout le monde. Ça va bien? Oui! T'es en forme? Oui! Vous êtes sûr que vous êtes en forme? Oui! Oui! Il y a beaucoup de monde, hein? Oui! Oh! Est-ce que vous êtes prêts pour Normand Lamour? Oui! Est-ce que vous êtes prêts pour Normand Lamour? Oui! Bien, all right, j'ai une surprise pour vous. Vous savez que je vous aime beaucoup, mais j'ai une belle surprise, oui. J'ai un cadeau que j'ai ramené de l'Inde. Oh, yeah! Directement de Bangkok, India. S'il vous plaît, un applaudissement pour Monsieur Canada! Un gros merde, OK? Un gros merde. Mange en masse! Mange en masse! Hey! Êtes-vous en forme? Plus fort que ça, êtes-vous en fiole? Good! OK, je vais faire une première chanson. C'est la première chanson que j'ai écrite moi-même. Alors voici ma chanson qui s'intitule « Embarque ma belle ». Ma chanson « Embarque ma belle » m'avait ouvert la voie du succès en Inde. Alors, pourquoi ça serait différent ici? Écoute, non seulement j'ai un respect extrême pour Canada, mais c'est sa chanson. Je veux dire, c'est... la prochaine fois que je vais me donner le droit de chanter à ma belle, ça va être avec lui, puis avec personne d'autre, c'est sûr. Mesdames et messieurs, le grand vedette, monsieur Normand Lamour! Yes, sir! Gros applaudissements, merci! Yeah. Je comprends pas comment ça se fait qu'il peut avoir autant de succès que le monde l'applaudisse comme ça. Il chante n'importe quoi! N'importe quoi qu'il chante! Le boss du bar, il m'a appelé le lendemain, puis là, il dit, Normand, ben là, c'est toi qui vas chanter en premier. Écoute, ben, t'es mon vedette, OK? Tu vas être toujours là. Là, ce jeune-là, il est là juste pour un couple de jours. Ah, oh, ben là, là, je le prenais pas. Je te le dis que je le prenais pas. Là, là, j'ai parti, là, j'étais enragé, là. Okay. Hey, wow, wow, hey. Achale-moi pas. Hey, Normand, pourquoi tu t'es comme ça? Achale-moi pas, je te l'ai dit, là, achale-moi pas. T'es mon vedette préféré. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Moi, là,
Un réchauffe de salle, là. Jamais de la vie, jamais de la vie. Réchauffer les salles, voyons donc. Je suis pas un réchauffeur de salle. Je chantais tous les soirs pendant un mois dans cette merveilleuse salle de spectacle. Les filles capotaient. Les gens étaient fous. C'était pour moi une véritable renaissance. Tout le monde m'aimait. Enfin, presque. Moi, là, j'ai rien contre les immigrants. Les immigrants, là, je les en veux pas. Vous savez que je les en veux pas. Mais les immigrants illégaux, là, ça me dérange. Puis en plus, ils font des spectacles pas très bons, d'ailleurs. Non, non, c'est pas bien bon, ce qu'ils font. Et puis, il n'y a pas de permis de travail, en plus. Je veux pas être raciste, si je veux pas être raciste du tout, hein. Mais c'est du travail au noir, ici. C'est du travail au noir. J'étais redevenu une grande vedette. Mais j'étais tellement absorbé par mon travail que j'avais oublié que j'étais recherché par le service de l'immigration. Madame? Madame Boogie-Boogie? C'est... Moi non plus, ça me tente pas bien, bien. La situation m'inspire en ce moment une chanson. Je crois que je vais la chanter. Ah, pour une dernière fois, avion de mon allié. Un avion allait me ramener en Inde, mais avant, je devais signer des papiers à Montréal. Comme dans un de mes films, Bon Cop, Bad Cow. Je me suis rappelé une scène d'action que j'avais écrite. Sur la scène nationale maintenant, un homme d'origine indienne s'est littéralement enchaîné à la porte d'entrée du Bureau fédéral de l'immigration. Il prétend toutefois être Canadien de naissance. Je suis ici devant les bureaux d'Immigration Canada en compagnie d'un personnage qui fait de plus en plus parler de lui. Il s'agit de Canada. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur, exactement? Je veux être citoyen canadien, mon cher monsieur. Je me suis enchaîné parce que je veux devenir citoyen canadien. Mais pourquoi exactement? Bonjour, madame. Bonne fin de journée. Pourquoi exactement? Parce que je suis Canadien profondément en moi. Bonjour, madame. Bonne journée. Et la question du jour, est-ce qu'on devrait garder le Canada ou peut-on l'expulser à grands coups de pied dans le derrière? Je pense pas qu'on devrait expulser le Canada du pays. On cherche des immigrants pour s'intégrer ici. Alors, s'il est là, il faut qu'il reste, quoi. Tu sais que ça m'écœure, ça n'a pas de l'allure. On a un bon immigrant, puis là, c'est... Ils veulent l'expulser. Ça me met en tabac. Il faut pas l'expulser. S'il y a une pétition à signer, je suis prêt. Et puis, on va signer pour que le Canada reste au Canada, quoi. Le public voulait de moi. Les gens ont été formidables. J'avais énormément de supporters. D'autres nouvelles de Canada, c'est un véritable raz-de-marée qui déferle en ce moment sur Facebook pour qu'on lui offre enfin sa citoyenneté canadienne. J'ai signé la pétition sur Facebook. Je te dirais même que j'étais pas l'instigateur, mais dans les premiers. C'est sûr qu'on l'a signé, là, ça, on suivait ça depuis vraiment longtemps. Là. On veut qu'il reste, puis c'est tout. Canada, vous savez que vous êtes devenu notre héros national? Peut-être un peu malgré vous, d'ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. J'étais la première personne à qui il parlait, hein? Oui. J'étais son confident. Ce qui m'a bloqué à l'immigration, c'est je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, Pete. Quand est-ce que le gouvernement va comprendre que Canada, c'est un Canadien, puis il est chez lui ici? Sont-ils bouchés ou quoi? Donc là, il y a véritablement des développements. Ça bouge de ce côté-là. Le gouvernement canadien vous a démontré son intérêt à vous avoir comme Canadien? Oui. Canada au Canada? Oui, je crois que je serais très heureux moi-même d'être accepté Canadien. J'ai hâte à ce jour. Ça sera un grand jour. C'est un Canadien.
bonne et difforme, pure laine, puis qui est le bienvenu chez lui, en fait. En Canada, c'est, oh oui, c'est canadien, le sirop d'érable, il coule dans les veines. Ça, c'est sûr, il sent le tilard. Non seulement Canada est un Canadien, mais il est un Québécois. Je sais qu'on est complètement différents, Canada et moi, mais en quelque part, je m'identifie à lui. Et je te dirais même que Canada est à la chanson ce que Guy Lafleur est au hockey ici au Québec. C'est un bon rien, c'est un raté, il vaut pas une scène, lui. Comprends-tu, là? Il vaut pas une scène. Et me voici parmi vous. Je suis content, c'est la première fois que je peux raconter mon histoire au complet. Monsieur Canada, on a une petite surprise pour vous. Oui? Oh! Un écran plasma? Non. Regardez. Hello! C'est papa, maman. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient vous rejoindre. Le gouvernement canadien a octroyé la citoyenneté canadienne à toute votre famille. C'est vrai? Ils vont bientôt venir vous rejoindre. Oui! Je vais vous faire une chanson. Je connais d'où je m'appelle Canada. Je la donnais d'où je suis né là-bas. Tu n'es pas né ici et tu as manqué plein de choses qui nous ont marqué, comme Patoff avec son gros soulier. T'aurais sûrement aimé les tannants, Pierre Marcotte qui tombe dans la piscine. Tu sais pas comment c'était émouvant. Non, je ne chanterai pas. J'ai planté hier matin une poutine dans mon jardin. Avoir une guédie dans ton nez, aller chez Jean Coutu magasiner. Il faut que tu goûtes au bleuet du Saguenay, prendre un bain dans du sirop d'érable, dans une cabane à sucre d'Oxbury. J'aime les pommes d'Oka. De Québec. Et plus un hindou, je m'appelle Canada. T'as l'air d'un hindou, je suis né là-bas. Et plus un hindou, c'est toi Canada. T'as l'air d'un hindou, viens dans nos bras. Yeah.